avec la Turquie qui n'en finit plus de pleurer ses morts. Selon un nouveau bilan de l'AFAD, organisme de secours turc, 21 700 personnes ont perdu la vie. Une bien triste mise à jour suite à la découverte de corps dans les débris. Bien qu'il ait eu lieu en Turquie et en Syrie, le séisme du 6 février dernier a créé une véritable onde de choc dans le monde. Une vague de solidarité s'est instantanément mise en place avec des envois de vivres. Ainsi, l'ONU, de par sa mission humanitaire, a envoyé d'importants cartons de vivres en direction de la Syrie, une aide internationale qui a toutefois du mal à atteindre les zones rebelles.